Alors, le point suivant concerne un avis à donner sur le plan métropolitain pour l'hébergement et l'habitat, dit PMHH. Pardon. Est-ce que tu as bien oui ou est-ce que je... Oui, bien. merci Jean-Claude. Donc le plan, voilà, plus que deux mots, j'imagine. On a tous reçu des documents qui sont très complets pour expliquer ce qu'est le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. C'est un... Est-ce qu'il s'agissait des derniers documents qu'on a pu noter dans les dates? Ce n'était pas les derniers en vigueur. C'est ça. Est-ce que c'est bien le dernier? Le dernier plan métropolitain de l'habitat et d'hébergement a été adopté le 28 juin 2018. Donc c'est le dernier qui, j'imagine, vous a été transmis, puisque depuis le 28 juin 2018, non, mais je demandais, rien ne s'est passé. Par rapport aux dates, voilà. Je ne sais pas, vérifier que c'est le dernier document. Je ne sais pas quels sont les documents qui ont été transmis et qui sont pas à date. Voilà, donc la délibération qui vous a été transmise est celle qui a été enregistré par le conseil métropolitain. Pour revenir donc sur ce document qui est très complet, mais c'est tant mieux parce qu'il adresse un sujet qui est très complexe, il faut voir quels sont les enjeux et les synthèses du plan métropolitain de l'habitat et d'hébergement qui sera voté pour 6 ans. Les enjeux, c'est que la population de la métropole du Grand Paris va augmenter jusqu'en 2050 de façon significative, et particulièrement sur les zones territoriales de la Seine-Saint-Denis qui ne nous concernent pas, mais du Val-de-Marne qui nous concerne. Donc cette croissance de la population, elle va s'affirmer avec deux variantes, une population qui vieillit et une population qui attire des jeunes mais qui ont des difficultés pour se loger. Donc le rôle de la métropole, c'est d'une part d'équilibrer l'offre de logement sur le territoire et de faciliter l'accès au logement à ces populations qui sont soit pauvres, soit jeunes au départ donc d'un processus de résidentiel, ou encore de mettre à disposition pour les ménages des logements qui sont le mieux adaptés à leur cycle de vie. Donc comment est-ce que cela s'est passé? En toute concertation, vous vous rappelez, il y a déjà à peu près un an, je crois, lorsque le processus avait été enclenché, je vous avais dit quelle serait la temporalité de ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Il fonctionne par concertation puisque la métropole a interrogé les communes et les EPT, et ça, ce sont effectivement les documents qui vous ont été transmis. Pour comprendre, que nous avons demandé, qui n'avaient pas été transmis, que nous avons demandé. Qui vous ont été transmis, je reste factuel. On a demandé, que nous avons demandé, que nous avons eu au dernier moment. Mais de toute façon, ça ne change strictement rien au débat qui a été... Nous allons voir que c'est très important, bien au contraire. Ça ne change strictement rien, puisque le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement a été discuté en commission finance de la métropole du Grand Paris, en commission logement de la métropole du Grand Paris, en bureau de la métropole du Grand Paris le 18... Et à Santeny. Mais non, il ne peut pas être discuté à Santeny, puisqu'il était censé... Nous sommes sans témoin. Mais non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'on a interrogé effectivement la commune, qui fait simplement remonter l'état des lieux, des logements et des prévisions de logement sur son territoire, et ainsi la collation est organisée sur tout le territoire métropolitain. Donc je reviens au 28 juin, ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement a été adopté à l'unanimité par le Conseil métropolitain. Non, selon la loi... C'est faux. Pas à l'unanimité. Selon la loi, pas il y a 4 contre, etc. C'est la délibération. Ouais, la majorité. Ah non, il n'y a pas eu de contre. À la majorité. À la majorité. Ah ben, c'est juste à la majorité. Et à partir de là, le Code général des collectivités territoriales prévoit que ce plan métropolitain est mis à la disposition des communes et des territoires qui ont 2 mois pour donner leur avis. On n'a pas transmis le 28 juin le document aux communes ni aux EPT, parce qu'on sait bien qu'en juillet et août, il ne se passe rien. Donc ce document a effectivement été transmis à la fin août, le 22 août, si je ne dis pas de bêtises, aux EPT et aux communes pour qu'elles prévoient de délibérer. Ce que nous faisons ce soir, en donnant un avis favorable ou non favorable, cela dépend. Monsieur le maire a souhaité que cet avis soit favorable, et il a bien raison, puisqu'en fait, dans ces objectifs qui sont adressés dans le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement
que les objectifs reprennent ceux qui sont listés par l'État. La DRIL aussi. Voilà, la DRIL sur notre territoire, sans oublier que ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, il doit lui-même se conformer aux SDRIL, on est là dans ce que l'on appelle la hiérarchie des normes, donc il doit donc se conformer aux SDRIL. Il doit aussi être présenté en comité régional de l'habitat et de l'hébergement, où le préfet et la DRIL donneront leur avis sur la question. Ce pourquoi, aujourd'hui, nous vous proposons de donner un avis favorable sur ce plan métropolitain de l'habitat et l'hébergement. Une petite remarque qui n'est pas négligeable, c'est que dans la convocation qui nous a été adressée, on voit que la commune propose de donner un avis favorable sous réserve de l'approbation par le territoire. Cela n'a pas lieu d'être. Et ce ne sera pas la forme dans laquelle ce sera écrit dans la délibération. Voilà. Effectivement, la commune dira simplement que nous serons attentifs à l'avis de l'établissement public. Alors, je veux préciser ce point car il est important. On parle de souveraineté des communes. Là, elle s'exprime pleinement. La commune n'a pas à se préoccuper de ce que dit le territoire. D'une part, je note simplement que le territoire n'a pas encore mis à l'ordre du jour de son conseil territorial la délibération portant sur le PMHH. De fait, il ne le fera pas à temps, donc il sera hors délai. Donc pourquoi se priver de donner un avis à temps alors que le territoire ne l'a pas encore fait? On est là dans la pleine souveraineté des communes. Profitons-en pour dire ce que nous souhaitons dans le cadre de ce PMHH. Voilà. Donc pour ce point particulier, c'est tout ce que je souhaite souligner. Je reviendrai après sur les questions territoriales et métropolitaines tout à l'heure, monsieur le maire. Il me reste à demander ce que sont les questions que vous souhaitez poser sur le sujet. Oui. Alors, d'abord, une question purement de forme. Dans le document qui nous a été remis en page 3, il est indiqué que la métropole du Grand Paris a engagé l'élaboration d'un PMHH. Le dit projet a été notifié le 22 août. OK. Paragraphe suivant, tous les documents sont consultables sur HTTP. Le lien vous a été envoyé par courriel le 6 août 2018. 6 août 2018, c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez reçu la notification, vous nous avez envoyé le lien. Le lien, le site de la MJP où il y avait les documents. D'accord. Ça, c'était les gens. Parce que moi, je ne l'ai jamais trouvé. Ah si, j'ai envoyé le jour de mon retour de vacances, je me souviens. Parfait. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est ma première question. Je voulais savoir juste comment s'était passé le conseil du 28 juin, puisqu'il n'y a pas eu l'unanimité. Valérie, comment s'est passé ce conseil du 28 juin? Il a fait état des positions des conseillers métropolitains bien connus qui, en général, habitent à l'ouest de la métropole et qui sont opposés à une répartition territoriale des logements sociaux qui, on le constate de facto quand on regarde la carte, sont plutôt situés à l'est. Et je rappellerai que le but justement de ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est de répartir de façon plus équitable et en fonction des mouvements de population ces logements. Donc après déroulé du conseil métropolitain, il est visible en différé sur le site de la métropole. Ça correspond exactement à ce qui a été... Qui sont mentionnés dans le projet. Cette présentation m'étonne parce que sur les 209, il y a eu 22 abstentions. Valérie, tu n'étais pas là, représentée, et la personne qui a présenté, il y a eu 22 abstentions, dont la tienne. Je veux dire, aujourd'hui, non, certainement pas. Alors. Tu as été représentée par quelqu'un qui s'est abstenu. Certainement pas. Donc je trouve étonnant que maintenant tu fasses la promotion du PMHH. Nous n'avons pas été informés. Absolument pas. Et où j'ai le document ici. Madame Meilleur-Pimont n'était pas là, absente, représentée. Et ensuite a donné pouvoir à quelqu'un qui a donné un avis, qui s'est abstenu. Qui n'a même pas voté pour. Pas pour moi. Bah, c'est pas ce qui est écrit dans le... Donc tu t'es abstenu, tu as donné pouvoir à quelqu'un qui s'est abstenu. Et aujourd'hui, tu viens de nous demander de voter favorablement. Donc il y a un point que je ne comprends pas. Et en plus, tu n'étais pas là au conseil métropolitain. Ça, c'est possible, j'étais représentée, tu l'as bien noté. Oui, mais tu n'étais pas là. C'est le fonctionnement classique. Tu n'étais pas là. Tu représentes la commune au territoire et à la métropole. Alors en quoi est-ce qu'il est important d'être au conseil métropolitain? Je te pose la question, en quoi est-ce qu'il est important d'être... Et à ce moment-là, à quoi sers-tu et autant démissionner, ne pas être là? Autant ne pas être là, autant carrément ne pas être là. Alors, il faut être là pour représenter les intérêts de Sainte-Nous.
Bien sûr. Voilà. Donc, alors quand on est, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je m'organise pour être là quand je le peux. Il se trouve, et vous l'avez rappelé, que nous avons aussi des activités professionnelles. Et quand nous ne pouvons être présents, il faut que monsieur le maire non, soit je donne pouvoir à une personne pour me représenter. Mais alors ça, je vous arrête. Oui, mais c'est important. Je vous arrête tout de suite. Ce point-là est une des stupidités du projet métropolitain. On le connaît pour les petites communes qui n'ont qu'un seul représentant, ce qui n'a pas grand-chose. Et un représentant. Pardon ? C'est tout ouvert de le prendre. Ouais. Ça, c'est un autre débat. C'est à la majorité de le reprendre. De désigner un représentant. En tout état de cause, sur ce point-là, l'essentiel, c'est que l'objet du PMHH, on vous l'a rappelé tout à l'heure, moi j'aime bien les 5 points qui définissent son intérêt. Je vais les relire, comme ça tout le monde en profitera, y compris ceux qui n'ont pas pu lire, quelque chose que je comprends, ce document-là. C'est mieux articuler le développement de l'offre de logement avec les activités économiques et le transport. Ça, qui dira le contraire ? Mieux répartir l'offre de logement accessible aux revenus modestes, traduisez logement social, et intermédiaire pour favoriser les parcours résidentiels et garantir la mixité sociale à toutes les échelles, échelle géographique en particulier. Mieux accueillir et accompagner les plus fragiles vers le logement ou une solution adaptée et durable. Ça, c'est le problème non plus du logement, mais de l'hébergement. Soutenir la diversification et développer l'attractivité des quartiers en mutation ou en dépréciation, c'est-à-dire réaliser la mixité dans les quartiers. Adapter le parc existant aux enjeux démographiques, écologiques et sanitaires. Ces points-là sont des points qui me paraissent bien incontestables. Quand on y ajoute le fait que les exigences en matière de logement comme d'hébergement que définit pour nous le PMHH métropolitain sont les mêmes que ceux que nous impose la DRIL au nom de l'État, nous n'avons aucun motif de nous y opposer et c'est pour ça je vous propose de l'adopter. Alors, effectivement, je crois que les déclarations d'intention du PMHH sont effectivement indiscutables et tout le monde peut y adhérer. Néanmoins, il y a l'application, en fait, de ce PMHH au niveau local et notamment au niveau de Saint-Denis. Sur Saint-Denis, moi, ce que je vois, parce qu'on parlait de l'intérêt, en fait, de Saint-Denis, ce que je vois, c'est dans une page qui est la page 10 de ce très gros document, nombre de logements sociaux à produire par an, Saint-Denis, 55 logements sociaux. Est-ce que tout le monde ici est d'accord pour qu'il y ait 55 logements sociaux en plus tous les ans, pendant 6 ans ? Ce qui veut dire qu'il y aura 16 500 mètres carrés en plus de logements sociaux. Et que ces 16 500 mètres carrés de logements sociaux à terme, ça représente plus de 1000 habitants, ça représente plus de 1500 voitures. Alors moi je veux bien qu'on préserve les intérêts de santé, mais je ne vois pas bien comment. Parce que j'ai vu ça. Parce que ce document, c'est un document qui va remonter à l'État, et après on nous l'imposera. D'ailleurs, je crois que j'ai cru lire qu'il y avait des comités pilotage, etc. Tout à fait, mais les chiffres sont habituellement, c'est pour ça que je vais rechercher la page 10. Les chiffres sont des chiffres de programme Triello. C'est dans le rapport nombre de logements à construire par an. Pour ça, je me demandais si c'était bien le dernier document à l'heure. Non, c'est bien marqué plusieurs versions. C'est bien marqué par an. Et c'est ça qui sera en fait le juge de paix. Et ça a été voté. Moi, je prends la note. Oui, ben moi j'arrive à lire sans. Non, là j'ai bien lu du 18. Alors là, effectivement, c'est par an. Oui, ils ont bien écrit par an. C'est pour le PT, ça. Oui, c'est notre PT. Non, c'est même pas notre PT, ça, c'est un ordre alphabétique. Si, c'était un. Si, c'était un. Oui, ce chiffre-là, je connais, c'est effectivement. Nous ne sommes jamais d'accord sur ce type de construction. Oui, non, mais c'est une bonne remarque. La façon dont c'est fait. Nous allons peut-être envisager. Sur au rédacteur.
Non, vous avez dit qu'il y avait un questionnaire qui avait été envoyé. Valérie vient de dire qu'il y avait un questionnaire d'envoyer. Ce sont les documents qui vous ont été transmis. Oui, mais Valérie, il est où ce questionnaire? Parce que c'est toi qui l'as envoyé. Mais non, vous l'avez. Non, mais alors qui l'a rempli? C'est peut-être toi qui l'as rempli. Ce sont les services qui l'ont rempli. Voilà, ce sont les services, ce n'est pas les élus qui remplissent les questionnaires. Ce sont les services. Nous sommes élus aussi. Donc il y a un contrôle. Non. Quel service, Valérie? Les services de la commune. Donc il n'y a pas eu de contrôle. Le service urbanisme, alors. Oui, le service urbanisme. Peu importe, il n'y a pas eu de contrôle. Est-ce que tu as contrôlé ce document? Ce document, il est conforme. Exactement, aux objectifs. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, il y a d'autres erreurs dans ce document. C'est énorme le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir dans ce questionnaire. Dans les réponses du questionnaire. Effectivement, il y a des erreurs dans ce document, notamment le taux de logement social. Il est erroné. Il est par nage à moins 15. Il est à 18%. 4 erreurs majeures. Non, c'est parce qu'il réagit sur les chiffres de 2016. On va regarder tout ça. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a absolument aucune... Mais s'il y a des erreurs... Non, mais on ne croit pas que vous êtes persuadée qu'il n'y a pas d'erreur. Non, non, non. Non, les services, on remplit les documents en fonction des chiffres. Après qu'il y ait une mauvaise transcription, c'est pas possible. Mais sur ces chiffres-là, ça nous dit quelque chose. Oui, les chiffres de... dans notre compréhension, dans celle de la DRIL, ne posent aucun problème. Par contre, ils en posent un. Donc, on va poser la question. La décision que je soumets d'approbation est une décision qui sera sous réserve d'un éclaircissement que nous allons nous employer dès demain. De toutes les façons, cet avis, il est donné sur ce qu'on appelle le projet de premier arrêté, puisque après que les communes auront justement porté un regard sur le PNHH... Oui, tu n'étais même pas là le 28 juin. Non, mais par contre, je tiens... Tu n'as même pas validé le questionnaire de Santeny. Alors, je voudrais juste apporter une... Comment peut-on travailler? Comment peut-on être représenté? Je parle alors, je voudrais juste t'expliquer, je regrette Mais tu n'étais pas là et tu n'as pas validé le questionnaire. Est-ce que je peux terminer? Comment peut-on travailler? Est-ce que je peux c'est terminer? C'est de l'incompétence. Je veux dire, tu as autre chose à faire, il faut faire autre chose. Le PMHH a été discuté en bureau. Le PMHH a été discuté en bureau du Conseil métropolitain. Je suis présente au bureau du Conseil métropolitain. Je note d'ailleurs que je suis une des seules des communes du Val-de-Marne appartenant au T11 à être présente en bureau métropolitain. Donc ce PMHH, je l'ai vu en bureau. Lorsque je ne peux pas me rendre effectivement en conseil métropolitain, comme cela peut arriver, je prends mes dispositions. Je noterai que M. Geoffroy Bullard, que je connais particulièrement bien, s'est abstenu personnellement. Mais il ne s'est pas abstenu. Tu as représenté, pour... c'est marqué. Mais non, mais il vote deux fois. Tu sais ce qu'on fait quand on vote et qu'on a le pouvoir, on fait ça. Oui, mais tu donnes. Donc il a voté une fois oui pour Valérie Maillard-Mignon. Ah, une fois non, une fois... la rouge d'avert. Mais, écoute, je te conseille d'assister au conseil métropolitain et tu verras à exactement. Recommandation au conseil territorial non, le 26 septembre. Je mets responsable là au questionnaire. Au questionnaire. Si vous regardez les abstentions, là il y en a 22. Si vous comptez le nombre d'abstentions, il y en a 22. Il n'y en a pas 24 ni 23. Donc si vous faites le total là en bas, il y a 22 abstentions. Tout le monde parle ensemble, je ne sais même plus où on en est alors. Moi je voudrais terminer. Et dire que aujourd'hui, l'avis que l'on donne, il va être bien évidemment collationné de la même façon sur toutes les communes par la commission qui s'occupe du PMHH. Et à partir de là, un deuxième projet d'arrêté sera voté en conseil métropolitain au mois de décembre, après avoir été bien évidemment présenté au bureau, puisque, je le rappelle, en conseil métropolitain, c'est comme en conseil territorial, tout ce qui est soumis, et d'ailleurs comme en conseil municipal, tout ce qui est soumis au vote a déjà été discuté, alors peut-être en commission au sein du conseil municipal, mais surtout en bureau pour le conseil territorial et le conseil métropolitain. Je rappelle que ce PMHH, c'est la loi qui le prévoit. Alors moi, je veux bien qu'on soit contre l'intercommunalité. Je veux bien qu'on soit contre l'intercommunalité. Parce que, quand on de bon sens, veut bien le connaître, que l'on prétende à des responsabilités en ignorant la loi, je trouve ça... Oui, mais sans être là, juste une année. Permettez quand même que j'ai un doute sur l'efficacité de la défense des intérêts de santé. Bon, ce n'est pas le débat du moment. Monsieur le maire, moi, vous aviez dit que je pouvais prendre la parole après Valérie. Oui, exact. Donc je prends la parole après Valérie. Et j'en reviens au questionnaire. Vous dites
aujourd'hui, on va voter motion sur le PMHH, mais on est incapable de dire si les questionnaires est bon ou mauvais. Moi, je peux vous dire qu'il y a 7 erreurs dans le questionnaire. Il y a 7 erreurs. C'est pas normal que ce questionnaire n'ait pas été vérifié. C'est pas normal que la métropole ait pu voter 61 logements sociaux par an pendant 50 ans par an. C'est bien pour ça. Normal. C'est moi qui vais me réserver le mot de la fin, qui est de dire cette délibération, je vous propose de la voter. Non, 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 non. Faites dans la correction. Je termine. Elle était sous réserve. Alors oui, c'est de donner un avis sous réserve d'une réponse satisfaisante à l'éclaircissement nécessaire sur les données de construction de logements et d'hébergement même. Vous pouvez aller voir les hébergements. Je ne suis pas allé voir s'il y a la même erreur dans le titre. Monsieur le maire, je vais vous faire l'intitulé de la colonne. C'est vous qui avez inscrit dans le questionnaire l'erreur. Non. Hein? Mais non. Si, c'est vous. Oh. Ben oui. Non, c'est ça. C'est aussi. Il y a marqué une perspective détaillée de production de logements à compter de 2018. Et le total est de 55. Ben oui, mais c'est un total, c'est pas un total annuel. Vous l'avez écrit par an dans le questionnaire. C'est eux qui l'ont transcrit par an. Non, c'est pas écrit par an. C'est pas écrit par an, là. C'est pas écrit par an. C'est questionnaire, c'est écrit par an. Sophie, il faut lire les dossiers. En nombre par an. Il faut lire les dossiers, Sophie. C'est par an, 55 par an. C'est une lunette, Sophie. Perspective détaillée de production de logements à compter de 2000. On est tous sur le même plan. Alors, on n'est pas sur le même document. Alors, justement. Production de logements, tableau inventé. Enquête sur les politiques de logement et d'hébergement menées dans la métropole du Grand Paris. Moi, j'ai pas par an, là. J'ai pas par an. 55 par an. Ah, mais regarde, là. Ils ont recopié. Oui, non. Mais là, d'accord, mais ça, c'est votre document interne, mais après, qui a été recopié par vous-même, oui, c'est 55 par an. C'était bien 55 en tout, alors, là. Non, mais oui, mais il y a des deux questionnaires. Oui, mais c'est bien là-dessus que je dois faire une réserve. C'est là où ils sont trompés dans la votre. Enfin, c'est nous, alors, c'est Denis. Oui, mais c'est pas sous cette forme-là qu'on l'a rempli. C'est pas sous cette forme-là. C'est le questionnaire, ça. Mais non, c'est le questionnaire. Non, c'est le questionnaire rempli, ça. Ce qui est dangereux, c'est qu'on se retrouve avec une obligation de 3 055 logements sociaux. Non, certainement pas, mais ça mérite. Ça mérite. Tout à fait exact de soulever cette question. Le PMHH n'est pas arrêté, c'est le premier arrêté sur le document. Alors, c'est incroyable. Non, mais moi, j'ai pas ce document-là. C'est ça. C'est le questionnaire, c'est marqué par an. C'est pas celui-là. Oui, et le premier, n'est pas annuel. C'est ça. Perspective détaillée de production de logement. C'est au total 555. Oui, mais sur mais c'est pas par an. Sur le document, sur le document, c'est marqué, effectivement. Enquête, et après c'est repris. On en fait plus que 1000 traits dans le temps que. C'est la vitesse. Bon, écoutez, ça plaira ou ça plaira pas, je retire le sujet de l'ordre du jour. Parfait. Ah, il faut. Merci. On ne délibérera pas. On délibérera le mois prochain quand les choses seront éclairées. Nous avons fait. Oui, bah tant pis, on sera un peu en retard. Pas de beaucoup. Et c'est à l'aide. Donc, ceci conclut la phase des sujets. Alors, monsieur le maire, si on peut vous être utile, n'hésitez pas à nous demander. Qu'est-ce qu'on a pu faire avant sans vous hein, sans ce... Ah non, mais Sophie, s'il y a des erreurs, il faut... Non, mais les réflexions comme ça, on peut se les garder quand même, je pense. Non, mais surtout que sur le document, Santini a pris la peine de répondre, ça n'a pas été pris en compte. Certaines communes n'ont pas répondu. Donc, je comprends. Le sujet n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Allez, le point suivant. Le point suivant, c'est l'approbation du compte-rendu. Vous l'avez tous reçu, vous l'avez tous lu. Oui. Avez-vous des commentaires ? Aller rapidement. Page 6, sur justement la rétrocession du chemin de Haut-Montanglot. Donc sur la question de M. Ancelonrat demande à quel coût cette opération, et c'est vous-même qui avez cité, il y a deux parties, la partie aménageur et la partie mairie, si on pouvait le préciser, hein, sur le coût. Pardon, excuse-moi. Page 6, sur la rétrocession du chemin du Haut-Montanglot. Oui. Sur les débats, donc, monsieur Ancelonrat demande quelle est cette opération. Et il y a bien deux parties, la partie aménageur et la partie mairie. Et ça, c'est important. Oui, et c'est vous-même qui l'avez cité parce qu'on ne le reprend pas après. Donc c'est quand même important de l'indiquer.
Alors, conseiller une partie du chemin comme vous le pouvez le faire. Et le coût de cette opération, c'était d'ailleurs, je le reprends, c'est-à-dire que par rapport à notre motivation, c'est de reprendre notre motivation quand on s'abstient ou quand on vote contre. Et donc c'était la principale motivation de notre abstention. Alors qu'est-ce que tu souhaites comme modification, voir si c'est faisable? Quel est le coût de cette opération qui a été divisée en deux parties, une partie aménageur et une partie mairie? Parce que ça va être la réalité. Et ça n'a pas été cité alors qu'on en a parlé plein de fois dans les débats, et c'est pas repris dans le compte rendu. Alors, les appels d'offres n'étant pas partis pour la partie communale, je ne peux pas te dire de perspective de coût. Non, simplement qu'il y a deux parties. Il va y avoir deux parties. Une partie aménageur et une partie communale. Communale. Ensuite, sur la partie Monsieur Baude, s'il vous plaît, sur ma partie Monsieur Baude. Demande des précisions sur l'OAP numéro 2. Exactement. Oui. Non, juste au-dessus. Monsieur Baude considère que la situation des deux chemins est différente, c'est vrai. Et vous avez répondu, Monsieur le maire lui répond que l'OAP ne fait pas partie du PLH. Ça n'a pas été question si on pouvait rayer cette phrase simplement. Monsieur le maire lui précise qu'un programme local, et on n'en a pas parlé, il lui répond que l'OAP ne fait pas partie du PLH. Nous avons parlé du PLH, oui. Parlé de l'OAP, mais ça n'a aucun sens, cette phrase. Non, l'OAP, c'est dans le PLU. Le PLU, pas dans le PLH. Le PLH va être au-dessus, ça va gouverner également. Oui, mais un PLH, il donne des orientations quantitatives. Un PLU, il donne des orientations plus précises, quantitatives, de densité, de positionnement dans la commune. Mais vous ne l'avez pas dit dans le... Non, je ne l'ai pas dit. Mais vous ne l'avez pas dit dans l'enregistrement. Non, c'est vrai. Vous ne l'avez pas dit. C'est vrai. Vous ne l'avez pas dit. Et ensuite, l'autre point, M. Baud demande une précision. Et demande, j'ai réduit de le retirer. Et simplement, donc ça conforte, parce que c'est dans le respect de la voix de l'opposition, justement, c'est de nous justifier. Donc M. Baud demande des précisions sur l'AP numéro 2. Tout ça, c'est bon, on n'est pas inscrit à l'heure du jour. Et demande si une convention d'aménagement a été signée. Et Mme Del Soco a répondu oui. Ça, c'est important, parce que cette convention d'aménagement, on vous l'a demandé. Et dans l'enregistrement, Sophie Dessaubois a répondu oui. Alors, on peut mettre, c'est monsieur le maire. Mais c'est bien cette convention d'aménagement avec l'aménageur, justement. Convention d'aménagement. Bon, on va préparer une... Je peux vous envoyer par mail. Arrêtez. Oui, non, mais on envoie, mais on ne comprenait pas. On va préparer une autre. Y a-t-il d'autres remarques? Et juste, excusez-moi, je vais vous faire part ensuite de trois points sur ce compte-rendu qui, à mon avis, paraissent faux par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que le PLHH, je ne vois pas ce que c'est. Là, c'est dont on vient de parler. PL. Ah, PM, pardon. PL. Vous avez écrit PLHH. PLHH. On n'en existe pas. Plan, il pourrait avoir. Non, mais on n'en a pas. Plan local de l'habitat et d'hébergement, on n'en a pas. C'est pas un PLH, mais un PLHH. Non, on n'en a pas. PLHH. PL, c'est une fois. PL. Qu'est-ce que c'est, PLHH? Non, mais c'est un PLHH. Ah ben, ça, ce que c'est un plan local de l'habitat et d'hébergement. Mais nous n'en avons pas. Oui, mais sera établi par la métropole, je pense que vous avez voulu dire. PM. PLHH. C'est ce qu'on appelle une coquille. C'est une coquille. D'accord, exactement. Alors, ensuite, il y a peut-être le temps qui n'est pas bon, parce que vous avez mis... C'est pour vous, hein, sera établi, mais a été établi dès février 2017 et voté le 28 juin. Nous n'étions pas représentés, mais le 28 juin, ça a bien été arrêté, puisque c'est le 21 octobre. C'est un premier arrêté. Il est voté. Oui, mais le terme sera. Non, c'est un premier arrêté et il sera voté de façon définitive. Je pense que le futur ne me paraît pas adapté. Le 7 décembre, il ne faut pas changer. C'est le 7 décembre qui sera arrêté. A été arrêté. Non? Ça s'applique au 1er janvier. On va dire a été préparé. A été préparé. Très bien. Et ensuite, vous avez dit que le chemin faisait 600 mètres de long. Ça, c'est une estimation. Hein. Il fait plutôt 300 mètres. Donc après, ils vont multiplier par prix. C'est possible. Mais il fait 300 mètres le chemin du long. Bon. Alors, disons que j'ai pas le bon oeil.
Aucune idée, Jean-Luc. Non, mais la totalité, oui, doit faire 600 mètres. Oui. Mais c'est vrai que la première partie, étant donné que... Ah, mais on parle de tout le chemin, de toute façon. Tout le chemin. L'aménageur, 300 mètres. On parle de tout le chemin, celui avec l'aménageur et le reste. Si deux voies, ça fait 600 mètres. C'est dans deux voies, oui, 600 mètres. Non, non, c'est pas ça. Regardez bon, sur c'est... Google Maps, un instant, faites-le, c'est 300 mètres. Bon. Monsieur le maire, j'ai une remarque sur mes propos. Page 8, Madame Nadette évoque le fait que la bande jaune y soit continue, c'est pas y soit, c'est qu'elle est continue, et demande qu'elle soit peinte en pointillé. Enfin, c'est pas qu'elle soit peinte, c'est surtout de respecter le code de la route, et voilà, que ce soit corrigé sans problème. Enfin, c'est fait depuis d'ailleurs. Oui, donc elle est continue, pas qu'elle y soit, puisque je vais pas demander à ce qu'elle soit jaune. Et pourquoi vous avez demandé qu'elle soit peinte en pointillé? Non, je vais pas demander. Moi, je demande simplement le respect du code de la route. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, après, voilà, ça a été peint en... Parce que le code de la route... Il y a un marqué sauf dépôt de minute, mais c'est pas grave. Voilà. Non, mais ça existe pas une bande jaune pointillée sur un trottoir. Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux t'arrêter. Tu peux pas te stationner, mais tu peux t'arrêter. Ah ben, ça correspond bien à ça alors. Non, sauf qu'elle était continue, ça veut dire arrête et stationnement à fermer. Oui, mais il y a un panneau. Oui, mais il n'y avait pas le panneau. Ah, il n'était pas encore mis. On savait qu'il allait être mis. Bon, voilà, il y a eu le pointillé qui a été fait comme ça, il n'y a pas de... Et il y a les panneaux. Il y a le panneau et les pointillés. Bah, c'est Mazel Tov. Voilà. Que je sache, les parents ne rechampent pas. Non, mais sans cas d'accident... Comme non, mais c'est simplement le respect du code de la route. Suivant l'interprétation du code de la route, il n'y a pas forcément d'obligation pour un passage, pour un point d'arrêt minute. Suivant le code de la route, non. Si la signalisation, effectivement, est au début... marqué en haut et au sol éventuellement, ligne jaune, pas ligne jaune, de toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est un domaine qui est bien spécifique, parce qu'il est restrictif, à une zone bien marquée. Et là, en l'occurrence, même avec la bande jaune et les croisillons qui sont au sol, c'était quand même bien, bien stipulé, c'était bien marqué. Donc, ce n'est pas un cas de problème en cas d'assurance, parce que de toute façon, un arrêt minute, ça reste pas, non, ça reste pas quelque chose de stationnement... À long terme, c'est un arrêt et une dépose, donc c'est 10 secondes. Donc c'est une zone bien spécifique qui a été marquée au sol et maintenant avec un panneau au-dessus. Bon, j'avais une dernière remarque. Une dernière. C'était sur la largeur du trottoir pour les PMR à 1,40 m. Et alors, c'est écrit... en fait, avec autorisation exceptionnelle, jusqu'à 0,90 mètres. Alors, les 0,90 mètres, c'est, d'après ce que j'ai vu, c'est uniquement s'il n'y a pas de mur sur le côté, en fait, du trottoir. Sinon, c'est pas autorisé. Alors, 90 cm, c'est quand on a un poteau, un candélabre ou des choses comme ça, ponctuellement, on a du 90 cm avec des murs, rue de la Libération. Rue de la Libération, le trottoir a été refait, en tout cas la partie qui a été refaite, on est en largeur PMR. On n'est pas à moins de 90. Justement, ça a été fait ensemble. Après, le but, c'est de pouvoir passer un fauteuil roulant. Ouais. Donc, si une personne en face, il y en a une qui va s'arrêter, laisser passer la personne avec le fauteuil. Mais le fauteuil, c'est pas 90. Mais le 90, le fauteuil, c'est pas 90 heures. Non, mais le 90, c'était bien uniquement s'il n'y avait pas un mur sur une partie du trottoir. Généralement, il y a un mur. Papa. Sur un trottoir, il devrait, oui. Donc, c'était simplement pour dire que, quand on dit effectivement que la largeur légale est respectée, je ne suis pas sûr. Nous ferons part de la remarque au service du département. Et pour le reste, il y avait certainement aussi une coquille dans la phrase suivante, puisque.
que, en fait, il me semble qu'il manque un verbe. Oui. C'est quelle page, là? C'est toujours la page 8, mais c'est vraiment, on est sur l'étude de la vague. Monsieur Pouget dit que, déclare, que la... On affirme, on affirme. On ne saura pas. C'est tout pour les Romains. Ok, merci. Sous ces réserves, qui s'oppose à l'adoption du compte rendu? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Alors il est adopté à l'unanimité et on va pouvoir procéder à sa signature. Passer au point suivant. Monsieur le maire, sur le compte rendu, justement, on a été induit en erreur lors d'un vote du 9 juillet. Souvenez-vous, lors d'un conseil municipal du 9 juillet, vous me demandiez de voter la motion en faveur du maintien de la dotation. Et nous, nous avons voté contre ou pour. Ouais. Madame Meilleur s'était abstenue. Et on voudrait dire qu'en fait, comme on n'avait pas eu le bon niveau d'information, c'est-à-dire que la motion. C'était une motion du territoire pour maintenir la dotation. Et nous, du coup, en fait, on vote a posteriori, comme on n'avait pas compris, en fait, nous votons pour cette motion, et pas contre. Alors, elle est diffusée. Mais comme nous avions été mal informés, finalement, nous votons comme vous pour cette motion qui consiste à maintenir nos dotations. Alors que votre adjoint au Grand Paris s'était abstenu. Donc, nous votons comme vous, monsieur le maire. Comme vous, monsieur le maire. Maintenant, c'est trop tard. Oui, mais rassurez-vous tous, on aura l'occasion de voter des motions sur des motifs financiers nombreuses. Bah, il est bon que vous le sachiez quand même. Voilà. Nous étions avec vous, monsieur le maire. C'est facile de changer d'avis. Non, c'est pas changer d'avis. On nous appelle pas Girouet. Nous n'avions pas le bon niveau d'information. Monsieur le maire, c'est hors sujet. Et d'ailleurs, tu étais la seule à s'abstenir. Tu as la parole, Valérie, mais pour parler des questions métropolitaines. Concernant les questions territoriales et métropolitaines, le conseil territorial a eu lieu le 26 septembre. Donc, effectivement, j'étais représentée lors de ce conseil territorial par Madame Marie Ségui, le maire d'Ormesson. En quoi est-ce qu'il était absolument essentiel que je sois présente le 26 septembre? Un élu n'est plus présent à la métropole, au territoire, mais représentant du maire, comment tu peux avoir une légitimité et ainsi t'exprimer sur un conseil territoire où tu n'étais pas et où nous étions présents? Alors, tu as raison. Nous étions les seuls représentants de Santeny. C'est très important de défendre les intérêts de Santeny. Tu dois savoir que lorsque j'ai quelque chose à dire, je suis la première à prendre la parole. Or, quand on regarde l'ordre du jour du Conseil territorial du 26 septembre, il n'y a pas un seul sujet qui concerne Santeny. Pas un seul. Pas un seul sujet ne concerne Santeny. J'ai donc donné mes consignes de vote à Madame Ségui en lui disant que je votais tous les rapports qui d'ailleurs avaient déjà été présentés en bureau du conseil territorial. Vous avez sans doute noté que la question qui a été posée sur Île-de-France Mobilité contre laquelle vous avez voté a été votée à l'unanimité. Un conseiller territorial. Le PLU qui concernait celui de Boissy-Saint-Léger a été voté. Un sujet qui nous intéresse, c'est effectivement le lancement d'élaboration d'un programme alimentaire territorial qui a été soutenu et qui a été proposé. Est-ce que je peux simplement terminer? Je suis un peu surprise. Non, il est important d'être présent pour défendre les intérêts. Dis-nous ce qui nous intéresse. Je suis vraiment désolée de voir combien les choses sont mal comprises par des élus qui sont censés comprendre le fonctionnement des institutions. Mais non, c'est pas censé. C'est quelque chose de triste, mais c'est comme ça. Donc, le rapport qui a été présenté a pour objet d'affirmer la volonté d'élaborer un projet alimentaire territorial, compte tenu de la spécificité de notre territoire. Il a été porté par un appel à manifestation d'intérêt du gouvernement, et je pense que le territoire va se positionner justement pour, dans le cadre de ce projet alimentaire, faire en sorte
que notre territoire puisse servir cette cause de l'agriculture durable et vivable. Ça, c'est le Conseil territorial. C'est le seul sujet qui concernait le plateau Briard du Conseil territorial. Le 28 septembre a eu lieu un moment très important, c'est la création de la SPL-GPSEAD, c'est-à-dire la Société publique locale de Grand Paris Sud-Est Avenir Développement, où Santoni est représenté au conseil d'administration et qui va servir à réaliser toute action ou opération d'aménagement poursuivant un objectif fixé à l'article du Code de l'urbanisme. Donc ça, c'est particulièrement important. Toute action concernant l'aménagement d'un projet sur les communes du territoire pourra être confiée à cette société publique locale d'aménagement qui est prévue, bien sûr, par le Code général des collectivités territoriales, qu'il s'agisse d'opérations de construction, de réhabilitation, dans le cadre d'une action d'aménagement ou d'une opération de construction qui répond aux objectifs qui sont énoncés au Code de l'urbanisme. Donc cette société publique locale d'aménagement va se réunir de façon régulière et va porter en elle les projets qui auront été décidés sur les différentes communes, hein, que ce soit les communes de l'ancienne plaine centrale ou des anciennes communautés de communes pour ce qui concerne le plateau Briard. Le 28 septembre, le même jour donc, que cette délibération au conseil territorial, enfin suite au conseil territorial, a eu lieu le conseil métropolitain où a été proposé le principe d'une taxe GEMAPI. Parce que la métropole du Grand Paris a la compétence GEMAPI. Je rappelle ce qu'est la compétence GEMAPI, c'est la gestion des eaux, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On sait très bien ce que cela signifie sur notre territoire, puisque nous avons vécu deux épisodes en 2016 et récemment qui ont affecté les habitants de Santeny. Dorénavant, c'est la métropole qui exerce cette compétence GEMAPI. Jusqu'à présent, c'était les sièges à qui nous confions cette responsabilité, qui s'occupait à la fois du fonctionnement et de l'investissement. Cette taxe qui a été votée en conseil métropolitain est une taxe qui sera essentiellement dédiée à de l'investissement, donc à de gros travaux, essentiellement des travaux en amont, hein, pour éviter la crue centennale. Alors aujourd'hui, cette taxe sera de l'ordre à peu près de 70 centimes par foyer. 70 centimes par foyer. Alors, deux fois 70 assis sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. Bien évidemment, cela ne permettra pas de résoudre les désordres d'une crue centennale. Il n'empêche, la métropole a la compétence. Elle va lancer un vaste plan d'investissement qui aujourd'hui, en tout cas pour 2019, est chiffré à peu près 19 millions d'euros, qui va s'adosser sur un prêt de la Caisse des dépôts, puisque l'opérateur, effectivement, dans cette affaire, l'opérateur de l'État, c'est la Caisse des dépôts, qui va donc aider, à travers la Banque des territoires, la métropole du Grand Paris. Cette taxe GEMAPI, elle est particulièrement importante, car elle doit permettre d'éviter que des communes comme celle du Villeneuve-Saint-Georges soient totalement détruites. Nous avons des problèmes qui sont un peu différents, puisque nous sommes confrontés à un déversement de la forêt. À ce sujet, l'ONF et le SIAJ vont être auditionnés par la métropole du Grand Paris concernant les travaux qu'ils tardent véritablement à remettre, les études dont nous avons déjà parlé. Donc ça, c'est la métropole du Grand Paris qui va prendre les choses en main. Voilà sur les derniers travaux concernant... J'en profite pour reprendre la parole 30 secondes sur le dernier point que tu as évoqué, voilà. Puisque à la suite de notre réunion de la semaine passée, l'ONF nous a fait parvenir son programme de travaux sur la forêt Notre-Dame en 2019. Il est extrêmement modeste. Même si on nous dit que l'étude hydraulique est faite, mais je ne l'ai pas vue, elle ne nous a pas été envoyée. Et les travaux sont très modestes, il s'agit de quatre curages de fossés, débouchage de buses ou faucardage de rives. Inutile de vous dire que ce n'est pas ça qui changera quelque chose. Alors par contre, j'en profite, parce que je te le disais l'autre jour en tête-à-tête, moi j'aimerais savoir comment la métropole va travailler au plan opérationnel. Parce qu'effectivement, comme on le souligne, c'est le SIAJ qui fait le travail aujourd'hui.
c'est dorénavant la métropole qui s'adressera à son siège. Oui, mais alors. À la fois de fonctionnement, alors elle le fera sur le fonctionnement à travers le transfert de charges que l'on a opéré, c'est-à-dire les 47 000 euros que nous versions au siège et que dorénavant nous ne verserons plus au siège, puisque notre attribution de compensation par la métropole sera d'autant déduite, puisque c'est la métropole qui travaillera directement avec le siège. Et en investissement, elle le fera à travers la taxe GEMAPI. Ça, c'est clair, mais imaginons, et ce n'est pas forcément une imagination, nous avons par exemple fait curer la queue de poil par le siège il y a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années. C'est un travail à faire de temps en temps. C'est du fonctionnement. Là, c'est du fonctionnement. Absolument. Mais qui lance le travail? C'est la métropole qui Absolument, va lancer. Absolument, c'est la métropole. Mais la métropole, théoriquement, il faut qu'elle fasse un appel d'offres. Elle ne peut pas faire travailler le siège directement. Bah, Alors que là, c'est ça, dépend du montant. Ça dépend du montant. Là, c'était le siège qui faisait les cahiers des charges. Tout ça va s'organiser. Tout ce qui concerne le fonctionnement. Je pensais que la métropole avait donné la mission au siège, justement, qu'il n'y avait pas de surcréation, de besoin d'appel d'offres. Que tout ce qui est inondation, gestion de l'eau avait été confié à la métropole. Et que c'est une compétence. Oui, la compétence, et que la compétence avait été redonnée au siège. Non, mais le siège. Qui ne nécessite pas d'appel d'offres, ça fonctionne comme avant, seulement le circuit est différent. C'est pas la même chose. Par exemple, nous, on peut avoir une compétence voirie, et quand on fait faire des travaux sur la voirie, on fait, si ça dépasse un certain montant, appel au code des marchés publics. Voilà, c'est exactement la même chose. Si la métropole a la compétence GEMAPI, et s'il y a des travaux qui dépassent un certain montant, le siège sera de la même façon obligé de faire un appel d'offres. Ça, c'est tout à fait classique. C'est Donc ça ne change rien. Quasiment rien. Non, mais c'est ce que je vous explique, c'est ça l'intercommunalité. Non, pas du tout. L'intercommunalité, c'est être plus fort à plusieurs que moins fort tout seul. Voilà, c'est le sujet. En tout cas, pour la GEMAPI, c'est exactement la leçon que l'on doit tirer des derniers événements climatiques qui ont amené les communes à se retrouver bien seules face à l'État, alors que la métropole a voté un fonds d'indemnisation de 1 million d'euros en juin 2016. Voilà, c'est ça aussi l'intercommunalité. Non seulement la compétence est prise, mais des décisions sont prises, et un fonds dédié est donné à des communes qui sont plus que dans le besoin, en tout cas pour ce qui s'est passé en juin 2016. Les 0,70, c'est pas 2, les 0,70. Jean-Luc, je voulais dire. Une question, par contre, en l'occurrence, par rapport aux inondations qu'on a par rapport à la forêt, actuellement, c'est le siège qui prend les décisions et qui réalise. Sauf que, en l'occurrence, la façon que tu expliques, c'est plus le siège qui va prendre la décision. Si. Non, le siège, il est audité par la Grand Paris qui sera une sorte de mort d'ordre. Dans ce cas-là, sur les réunions qu'on fait, il faudrait qu'on ait des représentants de la métropole. Et bien là, dernièrement, le siège et l'ONF ont été audités par la métropole, puisque j'ai évoqué quand on fait des réunions en mairie, localement. Oui, vous aurez un correspondant, bien sûr. Mais ça serait bien, parce que si le siège n'a plus l'autorité, on va dire. Oui, non. Là, ça, c'est une question d'organisation. Oui, bon, à suivre. Bien, et eh bien écoutez, je crois qu'on va conclure là-dessus. Il est 22h30, la séance est levée. Merci et bonne fin de soirée.